Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons deux points que nous allons tenter de voir pour vous. Le premier, ça sera la réaction de M. Abbé Ntshole qui a parlé au nom de l'Église catholique pour donner sa position en vue des élections à venir. Ici, vous devez savoir que chaque fois, à l'approche des échéances électorales, c'est le moment des grands chambardements, c'est le moment où il y a des négociations, c'est le moment où chacun cherche à se positionner, c'est le moment aussi des affaires pour d'autres. C'est ici, par exemple, le cas de l'Église catholique, dont chaque fois que c'est la période électorale, va chercher de l'argent à l'extérieur, va se montrer en tout cas accessible pour pouvoir jouer les rôles d'observateur et s'empocher au passage l'argent de l'extérieur. En tout cas, ici, nous connaissons aujourd'hui le rôle néfaste que joue l'Église catholique parce que il devait être au milieu du village, comme nous le disons chaque fois, et il devait être là plutôt pour accompagner ceux qui doivent et ceux qui sont en train de nous gouverner. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont parti pris, ils ont pris position, ils ont leur candidat et ils sont prêts à tout pour leur candidat, prêts même à sortir des fake news, prêts même à relayer des fake news et des faux bruits. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, c'est que le peuple congolais n'est plus dupe. Leur jeu est scruté au grand jour. Leur jeu, en tout cas, a fini par émerger. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients de ce qui est en train et des enjeux qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Alors ici, en deuxième point, nous vous mettrons la réaction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui met en garde toutes ces personnes aujourd'hui qui ont tendance à trahir la nation, à trahir le pays. Aujourd'hui, il a décidé d'agir. Il y a quelques jours, vous avez pu le voir et le constater avec le chef d'état-major de FARDC qui a prévenu déjà tous les traîtres et toutes les personnes qui ont été infiltrées au sein de notre armée pour dire que nous sommes au courant du sale travail qu'ils sont en train de faire, du travail qu'ils sont en train de faire pour l'ennemi en donnant des informations sur les opérations que nous devons mener au jour le jour. Alors ici, le chef de l'État a tenu à les mettre en garde et a au passage passé un message à la communauté internationale et vont être tentés de venir parler du mal de la RDC parce que aujourd'hui, vous savez que nous avons un pays qui est infiltré à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous le voyons, que ce soit au niveau de l'Église, nous le voyons au niveau de l'armée, nous le voyons au niveau de la justice et à tous les niveaux des institutions. Il est temps de mettre en place la tolérance zéro. Voilà, chers compatriotes, les deux sujets que nous allons entamer, que nous allons parler au cours de cette émission. Alors ici, nous allons vous mettre la vidéo pour la Bandeko qui nous découvrait ou qui ne vous êtes pas encore abonné et qui ne savait peut-être pas comment faire pour nous soutenir. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton « Notification ». Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton « Notification ». Et troisièmement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point d'abisso. Ici, vous devez savoir que le chef de l'État, à partir de Mbujimayi, a sonné la fin de la récréation. Ici, le chef de l'État a tenu à mettre en garde ceux qui ont fait allégeance aux forces du mal. Il y a des gens à l'intérieur de la matrice, à l'intérieur du pouvoir, qui travaillent pour les forces du mal dans l'armée, dans les services
de sécurité dans les institutions en général, au sein de la justice, au sein également de notre Église catholique. Il y a des gens utilisés depuis l'étranger et financés pour nous maintenir sous le joug de la colonisation, sous la dépendance économique et financière. Le chef va nettoyer et extirper les traîtres des institutions. Il vise ceux qui ont fait allégeance au pays qui nous agresse, en l'occurrence le Rwanda, au travers de son supplétif, le M23. Ces membres de l'Église ont un rôle bien précis. En tout cas, ils diffusent des fake news. Ils accusent par exemple le parti présidentiel UDPS d'avoir créé une milice qui collaborerait avec la police. Il faudra en tout cas que la jeunesse de l'UDPS porte plainte pour permettre à la Benchole de prouver ses dires devant la justice, sinon il participe à la propagation de faux bruits et en fait un travail qui vise à diviser les Congolais entre eux. Et donc il serait temps aujourd'hui que nous puissions stopper toutes ces personnes qui ont une mission de déstabiliser notre pays grâce à certains leviers de pouvoir pour pouvoir déstabiliser, et cela en diffusant des fausses informations. Vous savez que le pape était ici il y a plus de 4 mois, c'était au mois de février. Le pape avait rappelé le rôle de l'Église et le représentant du pape a, il y a de cela quelques jours, a eu aussi à définir le rôle de l'Église et pourtant la corruption que nous n'avons cessé de décrier au sein de l'Église catholique ne cesse également de continuer. Jusqu'aujourd'hui, au point que les représentants de l'Église ont quitté leur rôle pour devenir des travailleurs d'un parti politique. Alors ici, nous allons vous mettre d'abord ces vidéos-là, là où le pape appeler en tout cas nos clergés à revenir à la raison, et nous allons vous mettre également le représentant du pape qui a essayé d'expliquer que ce n'était pas du rôle de l'Église catholique de se mêler de la politique, sinon ils devront enlever leur toge de hommes d'Église pour devenir des politiciens. Awa, nous allons vous mettre les deux paroles du pape et du représentant du pape. Voilà. Vous aussi donc, vous êtes appelés à continuer à faire entendre votre voix prophétique pour que les consciences se sentent interpellées et que chacun devienne acteur et responsable d'un avenir différent. Il faut donc arracher les plantes vénéneuses de la haine et de l'égoïsme, de la rancœur et de la violence. Renverser les autels consacrés à l'argent et à la corruption. Bâtir une coexistence basée sur la justice, la vérité et la paix. Et enfin, planter les graines de la renaissance pour que le Congo de demain soit vraiment ce dont le Seigneur rêve, une terre bénie et heureuse, plus jamais violentée, opprimée ni ensanglantée. Mais attention, il ne s'agit pas d'une action politique. La prophétie chrétienne s'incarne dans les multiples actions politiques et sociales, mais telle n'est pas la tâche des évêques et des pasteurs en général. Elle est d'annoncer la parole pour éveiller les consciences, pour dénoncer le mal, pour réconforter ceux qui sont affligés et sans espérance. Consola, consola il mio popolo. Console, console mon peuple. Voilà cette devise qui revient. Consoler le peuple. Consola, console, console mon peuple. Il s'agit d'une annonce faite non seulement de mots, mais aussi de proximité, de témoignage. Proximité tout d'abord avec les prêtres. Les prêtres sont ceux qui sont les plus proches de l'évêque. Proximité aux prêtres. Écoute des agents pastoraux. Encouragement de l'esprit synodal pour travailler ensemble. Et alors, si nous voulons vraiment que notre vie soit fructueuse, si nous voulons que notre ministère puisse avoir des fruits,
Nous ne devons pas nous préoccuper quelles sont les routes que je dois tout de suite, quelles sont les routes que je dois construire, quelles sont les maisons que je dois faire, quel est le changement dans le pays que je dois obtenir. Parce qu'en réalité, le changement dans le pays ne dépendra pas directement de l'Église. Ne serons pas nous les évêques, pas nous les prêtres à changer le pays. Nous devons donner le principe pour que le pays puisse changer. Nous devons amener et porter Dieu à ce pays. Et si Dieu arrivera à ce pays, le pays va changer. Mais si nous sommes très préoccupés de faire ce qui ne relève pas à nous, et nous ne préoccupons pas et nous n'avons pas le souci de faire vraiment ce qui relève directement à nous, il n'y aura personne qui fera ce que nous faisons. Et nous ne serons jamais capables de faire ce qu'aux autres relève de faire. Et nous perdrons beaucoup de temps, d'énergie, et nous, disons, nous éloignons de la perspective qui nous vient de Dieu. Mettre Dieu au centre. Ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire dans tout le monde et, bien sûr, dans la RDC. Voilà, Bandeko, ici Bolandi, message par rapport aux brebis galeuses au sein de l'Église qui avait été prodiguée par le pape et par son représentant qui était en ce jour ici en RDC. Alors, nous allons vous mettre maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous mettre la réponse du président de la République qui met en garde toutes ces personnes inciviques, nous allons vous mettre les propos de M. Abencholé qui aujourd'hui est devenu va-t-en-guerre contre le pouvoir en place et qui ne veut pas plutôt jouer ce rôle de sagesse, à savoir ce rôle de pouvoir soutenir et accompagner le pouvoir en place en lui prodiguant des bons conseils. Ici, ils sont devenus quasiment et jouent le rôle de nos opposants. Nous vous avons dit que l'Église catholique allait jouer ce rôle-là parce qu'ils se sont rendus compte, en tout cas, le lobby qui est en train de financer le désordre à l'Est, qui est en train de soutenir certains de nos opposants. Ils ont vu que ceux-ci n'ont pas et ne sont pas suivis par le peuple congolais et qu'ils n'arrivent pas à mobiliser. Et pour cela, aujourd'hui, ils utilisent l'Église catholique qui doit venir en appui et soutenir nos opposants. Alors ici, nous allons vous mettre les propos de l'abbé Ncholé qui aujourd'hui a fait de l'Église catholique, a fait de la voix de l'Église son gagne-pain, le gagne-pain de deux hommes, à savoir M. l'abbé Ncholé et le cardinal Ambongo. Awatotilibino Malobanabango, Bolan. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil. Romains 13, 11. Message de la 60e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passent notamment par des élections libres, inclusives, transparentes, apaisées. Et ce, à tous les niveaux. Un constat. Situation sécuritaire. Nous apprécions à leur juste valeur les initiatives diplomatiques, politiques et militaires du gouvernement congolais pour ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Nous saluons particulièrement la bravoure et le patriotisme de nos forces armées malgré les conditions de travail difficiles. Cependant, la persistance et l'aggravation de l'insécurité, surtout dans la partie est de notre pays, ainsi que la multiplication des groupes armés nous préoccupent au plus haut point. Avec la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda, une partie du territoire national échappe au contrôle de nos forces armées depuis plus d'une année.
Dans le même registre, nous assistons dans la partie ouest de notre pays à l'apparition et à l'extension de la milice Mobondo qui sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. À cela s'ajoute, en milieu urbain, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, Force du Progrès, BESU, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la reconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. Deux, le processus électoral. À propos du processus électoral, la CENCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral, dans les délais plus brefs que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer les fichiers électoraux. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. 3. Climat politique tendu. Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la CENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants
conformément à la Constitution. Grand 2, recommandation au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Sachons que l'acte que nous allons poser le jour des scrutins est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel. Confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. À ce niveau, la contribution de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO est d'accompagner ce processus avec une mission d'observation conjointe avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Bien entendu, cet accompagnement n'aura de sens que si la CENI donnait un minimum de garanties de transparence. Autrement, nous n'allons pas nous aligner. Au gouvernement, nous demandons de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, de protéger les frontières nationales, de veiller au respect des droits et libertés de toutes les parties prenantes engagées au processus électoral conformément aux textes légaux. À la CENI, de garantir la transparence des opérations de vote et de dépouillement par le respect des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote, l'accréditation des observateurs électoraux, des témoins, des partis politiques et des journalistes, la publication des listes électorales définitives, la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote. Aux cours et tribunaux, nous exigeons le respect de l'innovation introduite dans la loi électorale qui dispose que les juges recourent aux procès-verbaux et fiches des résultats des bureaux de vote et de dépouillement mis à leur disposition par la CENI pour départager les candidats lors d'éventuels contentieux électoraux. Aux partis et regroupements politiques, il incombe de préparer correctement leurs témoins, de les déployer dans le bureau de vote et de dépouillement afin de ne pas se présenter aux contentieux électoraux avec des résultats sans subassement. Conclusion. Pour des élections crédibles, peuple congolais,
réveille-toi de ton sommeil, car il est temps que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants, que personne n'achète ni ne corrompe notre conscience. À 6 mois des échéances électorales, nous nous invitons à la vigilance sur le processus électoral. Ayant été abusés aux élections de 2018, nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par des personnes réellement élues. J'exprime toute ma gratitude à un homme, M. Moïse Katumbi. Ezali Bongo Moïse Katumbi Yewana. Nalingi kopesa ye merci oya ndakisa ya boyambi. Je le remercie pour son témoignage de foi, sa foi catholique et sa tente pour nous. Ozali mon Christo catholico, mon salakani ozali ko sala, la kisa bipai bison ozali te ozali mon Christo catholico. Au sable de la Ponaïe, et le Moussant Toupé à Salisaïe. Otoyebi, Makambo Mazali Kolekana, Ikoria. Monte une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre le deuxième point, c'est la réplique et la réponse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a mis en garde ses deux représentants corrompus de l'Église, à savoir M. Laben Tshole et M. Ambongo. Alors ici, il n'est pas parti par le dos de la cuillère, il a tenu en tout cas à dire qu'ils étaient, que le peuple congolais aujourd'hui regardait cette église, regardait ses représentants et que nous étions au courant du travail malsain qu'ils sont en train de jouer. En tout cas, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots. Il a mis en garde que toutes les personnes qui seront là pour trahir le pays, aujourd'hui, ça sera tolérance zéro pour eux. Awatote Libino Maloba, chef de l'État, Bolando. Égalité. Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard, avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour la célébration de ce jubilé d'argent de votre épiscopat. Je vous connais personnellement sur cette relation que j'ai avec vous. Parce que comme je le disais, je vous connais. Vous êtes un homme de droiture, un homme d'honnêteté, un homme rempli de sagesse. Et mon vœu le plus ardent, c'est que toutes ces valeurs profitent à notre province en particulier, mais également à tout notre pays. Parce que j'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte
de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Houtenli, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune, car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Houtenli, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré. Le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, telles que le tribalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité, et j'en passe. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en
réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autre idéologique. Et donc, je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me jugeront. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tout ce qui vous reste encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Mbujimayi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nzambi akutwa mpanda. Mpanda kabidi ya milonda. Uyakumpala. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nosotu, Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt.